Super nombreux ce soir, j'ai vu. Bonsoir, Poupou, Fossor, Caro, Aurore, Hip, pas sans tes couleurs, sur YouTube, parce que je disais Ago, Delphine, Ophélie, Stéphanie, Cécile, Céline,
Martine, oui, il manque quelqu'un, ouais. Elle arrive. Lauriane, Caroline, Patricia, Roselyne, Caro, Titon, Ellie, Clarisse, Anne. Voilà, oui, il manque Laure. Et tous ceux que j'ai pas vus parce que vous êtes tellement nombreux que c'est l'écran que j'ai du mal à dire bonjour à tout le monde. Laure est partie là où elle arrive. C'est en train de me saluer. Inisha. Pourtant, on n'a pas l'excuse des enfants, mais je sais pas, elle est montée juste avant que elle commence. Je crois qu'elle revient. Elle voulait que je commence. Salut Elsa, salut Isabelle. Eh bien, vous êtes sacrément nombreux ce soir. Impressionnant. Je ne sais pas si t'as entendu, j'ai du Non, mal à j'ai. dire tellement il y avait de monde. Ah, Et il cool. y a un certain Titon Ellie Clarisse devant le live. Ah, Clarisse est avec eux T'as pas vu les photos? du coup? Ben. À la mer? C'était des photos de là? Ben oui. Ah, moi, je croyais que c'était des photos de cet été. Je savais pas qu'ils étaient ensemble. Sam, le pack coloriage 3 et le candy perpétuel ne sont plus en vente à la campagne. Si, je me semble que si. Bah, sauf s'il n'y a plus de calendrier. Ouais, mais je crois pas qu'on en était là. Je vérifie. Je regarde tout de suite, mais normalement, ils sont dans le pack duo. Un pack du haut. Il y a Rosine qui fait, on peut réfléchir au mot du jour avant. Ah ben non, elle est là. Dans le pack Mais du coup, pour le mot du duo. jour, hop, j'ai fait mon croquis de lion. Mais on va voir ça juste après tous ensemble. Il reste 55 calendriers perpétuels, je pense qu'il y a encore une bonne marge. 55? Je pense pas qu'il en reste autant. Ouais. Il nous en avait 70 avant le début de la campagne et nous en reste. Et on en a vendu 15. La D'accord. campagne. Donc il est bien disponible. On dessine un cochon pour Stéphanie. Pourquoi un cochon pour Stéphanie? Tu es derrière ton chat, là. Ah Tu es tout mince. caché, moi, nous. On tourne un peu la caméra. Alors, regarde. Non, dans l'autre sens. Oui. Il est trop beau ton lion, merci. Bon, ça veut dire que j'ai réussi à le cadrer, que vous avez vu à peu près. C'était Noël 2005. Je m'en souviens bien. Je sais pas. Oui, mais j'ai pas. Comme on n'a pas vu le début de la conversation. Salut Florence. Un petit cochon. Mais en fait, c'est qu'hier, Hier, on a déjà défini le mot parce que le mot d'aujourd'hui Ah oui, c'est vrai. est déjà acheté. Et en fait, c'est Zazabel, hein, il me semble. De mémoire, ouais. Et du coup, hier, Zazabel m'a dit qu'elle voulait un félin, un tigre, un lion. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le croquis du lion que vous pouvez voir. Ah, il faudrait éteindre la lumière 4. La lumière 4, t'as dans un studio, tu sais. Elle n'a pas l'air d'être là, Zazabel, pour le jour où on fait son mot. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. C'est. Mais ça s'appelle, non? Non. Ah non, pas ça s'appelle, si. C'est toi, Ingrid. C'était qui, c'était Ingrid, hein? C'est toi, Ingrid, ton anniversaire. Je sais Je plus. suis pas sûre à 100%. Je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait acheter parce que c'était son anniversaire aujourd'hui et qu'elle s'était fait. Qu'elle s'est rendu compte que c'était trop tard. J'avais une idée des animaux qui font la chasse aux bonbons. Ah, oh, elle est trop drôle ton idée, je l'avais pas vue. Non, moi c'est 25 Les cochons, mars. on n'a Ah, jamais coucou fait. Zazabel, on t'attendait. Si, on a fait des cochons déjà. Moi, j'ai des souvenirs de cochons en illustration, en cours de dessin. Ça me dit quelque chose, moi. Oui, c'est possible qu'on ait fait un petit cochon, oui. Mais vraiment vieux, vieux, quoi. Non, j'ai pas l'impression que Lola soit là. Lola, est-ce que t'es là? Eh bien oui, mais tu te rappelles, Zazabel, il y a quelqu'un d'autre qui voulait l'acheter parce que c'était son jour d'anniversaire et on se rappelle plus.
On se rappelle plus qui c'était. Parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Oui, on passe à beaucoup de monde, c'est vrai. Mais de quelqu'un qui suit les lives, ouais. Alors, et énergique aujourd'hui. Ah ouais, vous me trouvez énergique? Bon, ouais, je suis peut-être plus énergique que d'autres fois. Mais bon, rien n'empêchera de faire un cochon à un autre moment. Ah, peut-être, oui, que c'est celui d'Ophélie. Oui, on est content. Aujourd'hui, ça a un peu avancé, le Ulule. On approche des 500%. Et du coup, Zazabelle, t'as pas dû le voir, je te le montre. C'est le lion. Ah, merci Merci! Marie. C'est le Paglio? Le pack jour avec le fameux calendrier, le fameux Ah, calendrier merci, merci! perpétuel. 442%. Donc voilà, ce soir, on va dessiner ce lion. C'est possible que le fait, je m'en suis rendu compte hier soir avec Sam, je lui ai dit, je fais. Oh, ce soir, je me couche un peu mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, je commençais à stresser un peu par rapport au Hull. Et je pense que hier, le fait qu'il y ait eu un peu plus de ventes, ça allait un peu mieux. Je me suis dit, ok, bon, on va peut-être au moins être remboursé nos frais. Donc, voilà. Donc, c'est possible que, ouais, c'est possible que ça joue. Là, je suis un peu plus en forme, du coup. Ah, si pas long, je suis presque jalouse. Allez, on est dans le sprint final, c'est le moment de faire péter les tirelires. Ouais. Moi, j'attends l'autorisation de ma banque, mais j'ai reçu l'argent. Ok, Ophélie. Bah, j'espère que tu auras l'autorisation. Ah, cette nuit, je me suis réveillée, effectivement. Je suis allée dans le salon. Et je dis, ah, mais il fait jour. Il Ah faisait. ouais. Ah ouais. Et du coup, je m'attends la lune, c'est obligé qu'elle donne. Et j'ai regardé, et effectivement, grosse lune. Hein, et je me suis fait la remarque. Donc, effectivement, ouais, ça doit être la lune. Bah, c'est pour ça, du coup. Alors, comment ça va, Titouan, Ellie et Clarisse? Vous êtes contents de vous retrouver? Clarisse, elle reste jusqu'à quand, du coup? Petit prend des nouvelles de famille en direct. Ouais, tu sais, on ne peut pas s'appeler. C'est seulement dans mes lives que je contacte mes enfants. Ne stresse pas alors, ça va très bien se passer. Merci. Merci Abo. Miss Lou, ça y est, je viens de l'acheter. Merci, merci. Ouais, tu nous as fait passer à 442%. Mais en fait, j'étais pas en mode, si tu veux, j'avais pas la sensation que je stressais vraiment, tu vois. Je me disais, bon, bah, de toute façon, ça va faire. Mais je pense que de manière inconsciente, ouais, c'était. Il y avait un petit stress. Ouais, j'espère, Ophélie, on croise les doigts. Coucou, Cécile. Très bien, 2 jours. 2 jours, on est. Ah oui, en fait, elle reste ce week-end. Ah, mais non, Audrey la récupère. Bah non, c'est mardi. Ah, ça veut dire que tu la ramènes juste pour lundi et après, ils reviennent Amy le Bloom mardi. vous suit. Merci. Qui c'est qui nous suit? Amy Bloom. Eh ben, enchantée, Mi Bloom. Je ne sais pas si tu es là, mais en tout cas, c'est cool que tu nous suives. Merci. Tu as commencé à stresser quand Sam m'a trop commandé. Je n'ai jamais trop commandé. Oui, effectivement, le fait d'avoir. Enfin, c'est pas que de la faute de Sam, hein, c'est qu'en fait, comme la Oh, c'est pas campagne. que des choses, je n'ai fait aucune faute. Non, enfin, non, non, oui, non, t'as pas fait de faute. Non, mais c'est juste que, voilà. C'est à partir du moment Vas-y, bram. où la commande était grosse que je stressais un peu. Allez, on va faire d'autres lions! C'est parti! Je vous montre, vite fait, je suis en train de faire une aquarelle personnalisée que vous pouvez avoir sur le Ulule. Tu mets en mode avion, mon amour. Tu me mets en mode avion, ouais. Que je n'ai pas tout à fait terminé et que je terminerai tout à l'heure. Alors, il te faut ton crayon, Sam. Oui, s'il te plaît, ma chérie. Tac. Un crayon pour moi, une gomme. Hop, le crayon. La gomme. Il passe où encore ton crayon? Tu l'as laissé à ton truc?
Si, t'as dû le laisser parce qu'il est pas là. Regarde de l'autre côté de l'ordi. Mon crayon a disparu. Le jour où ça mangera ses affaires, les poules auront des dents. Oh, bah ça y est là, ouais. C'est moche. Tu l'as retrouvé? Non. Ben, j'ai celui-là, mais il est un peu plus gras. Et bon. Mais si, j'ai dit que celui-là. Mais c'est pas celui que t'as d'habitude. Non. Coucou tout le monde, vive le rugby. Comme ça, j'arrive à être avec vous. je suis en mode zombie. Merci. Le pseudo est compliqué. Amélie. Amélie. Pourtant, quel est le coréage volume 3. T'es là, Amélie? Est-ce que t'es avec nous? Merci à toi. C'est la Saint-Sam aujourd'hui. Vous avez vu comment les vies est avec moi? C'est la nuit de Sam. Non, mais qui aime bien Châtillien. Ouais, on monte comme ça. Pas d'affect blanche comme ça, j'en fais on va. On va à la verticale. À la verticale et. On va préparer les mains rouges. Bon, elle s'en va. J'ai soin. Elle boude, elle est partie. C'est moi qui t'envoie des vannes et c'est moi qui boude. Coucou à ton laveur, coucou Princesse Leia. Coucou. Coucou Pascal. Titouan, oublie le compas quand tu rentreras chez ta mamie. Ah non, Titouan, t'oublies pas ton compas, on n'en rachète pas d'autres. D'ailleurs, Titouan, est-ce que tu connais ta poésie? Oui. Tu veux faire ton compte dessin, oui. On est habitué à prendre tarif, les garçons, dans le coin. C'est pas vrai, on vous chouchoute à fond. Vous êtes nos petites mascottes parce qu'on n'en a pas beaucoup. Allez, on va se lancer. Aujourd'hui, on va pas faire un rond. On va faire un cœur. C'est beau. Un cœur pour dire à nos hommes de cette communauté que nous les aimons fort. Ah, c'est bien. A priori, il connaît la poésie. T'as vu? Bonsoir Sam, j'ai pas dit tout. Du coup, elle l'a dit quand même. direct numérique pour moi. Je voudrais tenter un truc. Ah, on va voir. Non, un cœur. T'es prête? Donc au milieu de notre feuille, on va faire un cœur. Il est marrant, je parle. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Mes mains rouges sont très rouges. Alors on le ferme pas le cœur, on n'est pas obligé, on va pas faire la pointe. T'as les mains noires là maintenant. On essaye. Regarde, c'était comme ça. Ah ouais? Elles sont flippantes, mes mains. Ouais, en mode main rouge, ouais, c'est un peu flippant. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, le mode main rouge, c'est pour pouvoir de voir les traits de base. C'est vraiment appuyer très très peu, tellement peu que si j'enlève les filtres, vous voyez quasiment pas ce qu'elle fait. Donc, du coup, je mets un filtre. C'est Hippipip qui a envoyé le bisou. Il adore le son du bisou à Go. N'hésitez pas à envoyer des bisous à Go adore. Donc, on fait un cœur qu'on n'est pas obligé de finir. Tu vois, on ne fait pas forcément la pointe, c'est surtout le... Ouais, d'accord. Au milieu de ce qu'on a fait, on va faire un trait pour les yeux. Le cœur, c'est vraiment l'amour que tu mets aux hommes, mais tu finis pas quand même. Je les aime un peu, mais il y a des limites. Je comprends. On voit rien. Bah, c'est pourtant... Bah si, mais c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à voir.
Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à voir. J'ai dit on fait un cœur et on met un trait. Je baisse un peu. On voit encore moins si je baisse. Tu vas faire quoi comme joli dessin? Coucou à ton laveur. Je vais faire un... Ah, du coup, il y a Epipip qui a refait un bisou. J'espère, Ago, que tu es content. Parce que l'amour est infini. C'est beaucoup plus beau ce qu'elle dit, Rosine. Tu vois, toi, tu vois le côté sombre. Alors que Rosine, elle voit la lumière. Du coup, on va faire un lion aujourd'hui. Sur ce trait, nous allons faire les deux, comme d'hab, les yeux. On essaye de faire deux ronds de la même taille. Du coup, au niveau de notre lion, les deux yeux sont vraiment bien ronds. Et en fait, ici, vous avez votre rond là, d'accord? Ici, on va faire une pointe vers le bas. Stéphanie qui dit, prenez votre temps, je pourrais prendre mon dessert. Et une pointe vers le haut. Et donc là, il faut que ce soit vraiment bien rond au milieu. Et on va refaire un autre rond dans le rond et la pupille. On peut faire un petit trait au-dessus de l'œil pour esquisser un peu la paupière. Salut, on commence. Salut, Tata des Neiges. Tata des neiges? Ouais. Trop mignon! Et Camille, un smiley et des bisous pour Ago. Non, mais je vous jure. Pour Ago. Ouais. En fait, vu qu'elle a donné des bisous, mais c'est que Laure parlait du son bisou, mais du coup, elle a mis un smiley et des bisous. C'est Ah, c'est trop Peggy qui mignon. est allée sur. Alors, en fait, il faut utiliser des crayons pour faire le son bisou. C'est pas le smiley et des bisous. J'ai dû promener la chienne, j'essaye de rattraper. Oh bah là on est vraiment qu'au début, hein. Tu fais un cœur, tu fais un trait et ensuite on fait les yeux. Et du coup, bah de l'autre côté, il va essayer de falloir réussir à ce que ce soit symétrique. Vous pouvez faire un trait sur le haut et un trait au niveau du bas de la pointe pour essayer d'être à peu près pareil. Ça, c'est le plus dur en fait, d'arriver à faire un truc symétrique. Désolée, je vais remonter un peu ma lumière. De toute façon, là, je ne fais rien de nouveau. L'idée, c'est d'arriver à faire. Si vous avez réussi à faire la droite, maintenant, il faut faire la même chose à gauche. Donc, un rond au milieu. Voilà, l'idée, c'est de. Moi, j'ai besoin de me rapprocher de mon dessin pour voir si j'arrive à faire mon truc symétrique. Parce que c'est vraiment pas le plus évident. C'est pour ça que j'ai commencé par les yeux parce que ça demande quand même. Je trouve que ça demande. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça me fait rire parce qu'il y a Princesse là qui dit ça m'énerve, je connais pas bien Twitch, les bisous sont en rupture de stock. J'adore cette phrase. Les bisous sans rupture de stock, c'est vrai, c'est trop drôle. En fait, c'est parce que sur Twitch, faut pas que on reçoive 30 bisous à la seconde. Entre deux bisous, il y a un temps. C'est ça la rupture de stock. Bisous sont un pire de stock. Tomber sur le moment où la durée est de nouveau
autorisé. Tu te rends compte, Ago, qu'on veut tellement t'envoyer de bisous que du coup on les met en rupture de stock pour toi? C'est beau quand même. Bon, j'ai un truc qui est à peu près. Alors franchement, on ne peut pas faire de trucs symétriques. Hein. Je pense pas que manuellement ce soit possible, sans décalquer, sans rien, de faire totalement symétrique. Le truc, c'est que là, du coup, j'ai mes deux yeux, mais j'avoue, je me rends pas trop compte si ça marche ou pas. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près symétrique, mais il va falloir faire la suite pour voir si ça marche. Oh, ils ont mis un cooldown sur les bisous. Coup dur. Cooldown. Moi, je voudrais pourrir le truc de dessin. Enfin, il n'y a jamais assez de bisous. J'attends d'avoir 50 crayons pour faire un bisou aussi. Bah du coup, on l'a pas entendu le bisou de Hippipip. Oui, alors c'est. Je sais que c'est Hiippt, mais du coup, je t'appelle Hippipip. Hein, parce que sinon, c'est trop dur à dire. C'est des nombreuses personnes qui se sont fait. Mouah! Tu l'as entendu? Ouais, on l'a entendu là. Et Zazabel a mis des gommes. Donc maintenant qu'on a fait nos yeux, ici là de chaque côté, on va faire deux traits qui s'éloignent comme ça, au bout de nos pointes. Et alors pour l'instant, on n'appuie pas trop fort, d'accord? Là, on va faire un triangle pour le nez, mais on ne le fait pas trop trop fort parce qu'il faut qu'on voit si l'ensemble fonctionne. Ici, on fait un trait assez épais hein, qui descend de la pointe du nez. Raton laveur qui a mis des lions. Ouais. Et toi, t'as mis quoi? Mais Ah, c'est un c'est mon lion ou lion. c'est ton lion à toi? Mouah. Moi non plus, je sais pas le prononcer. Mais pourquoi t'as choisi un truc aussi compliqué à prononcer? Mais voilà. Mais hippipip, c'est sympa en même temps. Voilà. Et ensuite, ici, on va faire les babines. Donc, en gros, de chaque côté, ça part comme ça. Comme on ferait pour un chat ou voilà, assez simple. Hein. Et ici, on va faire le menton. Le menton avec un petit peu de poil. Les lions, souvent, ils ont deux trucs comme ça, là. Qu'est-ce que c'est? Merci. On dîne quand? On dîne quand 7 abonnés pour 2 mois. Bah nous on vient juste de dîner. Qui s'est abonné? Bah merci à toi. C'est toi pour ton soutien. Tu viens de nous découvrir ou Non, c'est son deuxième mois d'abonnement, donc a priori. Oh je suis désolée, pardon. La boulette. Eh bah écoute, merci beaucoup beaucoup d'avoir renouvelé ton abonnement, ça fait trop plaisir. Hélène, pour les dinosaures, Clarence, le lion qui louche. Ah, ça, je connais pas. Je suis pas assez un dinosaure, dis donc. Donc, ici, ouais. Bon, moi, alors, maintenant, vous regardez votre dessin de loin. OK? Et vous regardez si en ayant fait ça et ça, vous sentez déjà la tête de lion. Si. Non, et tu vois ce que je veux dire? Non! En fait, il faut essayer de prendre de la distance pour voir si on trouve que nos proportions fonctionnent pour que ça fasse un lion. Le nez, déjà, il doit être assez grand. Ça, je ne l'ai pas forcément bien dit, mais un nez de lion, c'est assez grand.
Tu vois, il faut pas qu'il soit trop, parce que sinon ça va faire trop mignon. Hein, il faut pas qu'il soit trop bas non plus, sinon ça va faire un peu bizarre. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Voilà, voilà à peu près ce que je peux vous dire par rapport à ça. Moi, en tout cas, là, ça me va. Je pense que mes proportions, on verra après. Mais... Donc, toi. Ah, ici, on peut faire les... T'as dit quoi? Ça me va, heureusement. Ah! Oui, heureusement, hein, parce que si toi, t'allais plus, on serait perdu. Ah, il y a eu un petit bisou, hein. C'est cool, on va avoir un live rempli de bisous ce soir. Donc voilà, on peut faire un peu de paupière au-dessus. Donc là, le nez, on peut le noircir un peu. Ici, on va mettre un peu d'ombre. En dessous de la bouche. Cécile qui fait oh, je peux juste faire un coucou vite fait. Il va être incroyable ce lion, j'adore. Merci beaucoup, Cécile. Il y a Go qui a dit c'est un peu comme Alain, mais de très loin, ça ressemble à ce que tu as fait. Alain de loin. Tiens, il faut que je rebaisse un petit peu, peut-être. Bon, les proportions ne fonctionnent pas, mais on fait avec. Ouais, oui, tu vas voir, de toute façon, avec la crinière, je pense que même si vous ne trouvez pas ça forcément hyper, hyper nickel, avec la crinière, ça va passer. C'était une série de films, Clarence. Alors, Merci. ah, c'est un pack couture! Pas de couturière de la belle couture. Merci beaucoup, ça Merci fait beaucoup, trop Lara. plaisir. Nous sommes à 444. 444%! 444! Je craque. Allez, on est à 6% des 450. Ouais. On est Est-ce à... que demain je dois faire un gif? On est à combien de pourcents des 500? Mais 56, mon ami. Ça y est, c'est encore la mathématique difficile. Ouais. Un chiffre porte-bonheur. Je sens la bonne soirée. Merci, Pipip. Il va en falloir de la crinière. Elle va être trop belle, ta crinière, à gauche. Donc, ici, donc on a notre cœur. Merci. Alors, Ah, Peggy, merci, CHP. Peggy. Un dessin. Un dessin A4 très Alors, personnalisé. tu le voudrais à partir de quel mot? On est à 445%, ouais. Hip-hip-hip, j'avais raison. Ouais. Yago qui dit hip-hip-hip, je t'adore. Attends, mais hip-hip-hip, c'est pas Peggy? Si? Non. Non, Peggy, c'était. Tu es là, Peggy? Peggy, c'était. C'était. Mouah! Ah, non, c'est Elsa qui a fait un bisou. C'était Tonton Neige qui était Peggy. Et Princesse Léla, Peggy. C'est moi, je te dis en privé, ça roule, merci à toi, c'est trop mignon. On est trop contents. Et donc ici, on va faire une petite oreille. En fait, on va faire deux ronds. Regardez comme c'est mignon. En haut des cœurs, on fait deux petits pompons. Ça va être ses oreilles. Ensuite, là, on va commencer la crinière. Donc, du coup, on va faire de la crinière. Vous savez, ça fait tout le tour hein, du visage. Donc, on va commencer par ce qui descend là. Ici. Alors, j'aime bien faire un petit peu. Vous voyez, on va avoir l'oreille à peu près là. Du coup. Et là, bah, on fait nos.
On fait, j'ai envie de dire, nos cheveux. On fait les cheveux de notre lion, quoi. De l'autre côté, on fait la petite oreille aussi. Là, en fait, du centre, on peut donc d'ici là, on peut faire sortir une mèche. Franchement, notre lion, il va sortir de chez le coiffeur, je vous le dis, moi. Ça a fait monter de 3%, c'est cool. Eh ouais! 40! On a commencé à... Donc le live, à 41. Oui, donc on a même monté de 4%. C'est trop cool. Il a une bonne bouille, merci. Laure est en train de déstresser avec l'augmentation du pourcentage. Oui, j'avoue, je respire un peu plus. Il y a la Ravel qui dit, c'est moi, je profite des vacances pour vous. Enfin commandé ton dernier coloriage, merci pour ta bonne humeur. Laure, un coucou à moi, Sam et à côté du pinceau. Oh, merci à toi. Mais attends, je comprends pas. C'est Pascal et qui dit Larabelle, c'est artiste, c'est la même personne? Oui, non, mais en gros, Pascal qui dit Larabelle, c'est moi. Ah, d'accord. La pâte couturière. D'accord, ok, merci beaucoup. Excuse-moi, hein, il me faut du temps pour comprendre les choses. Vous montiez jusqu'à combien les autres années? Eh bien... L'équivalent de l'an dernier, c'est 495. Si on monte à 495, on fait comme l'an dernier. Sauf que l'année dernière, à 495, on gagnait des sous. Déjà, Alors, on gagnera des sous en vendant les cahiers de coloriage. Mais on gagne pas d'argent, là. Enfin, tu vois, on a... Si, non, t'as dit 400. Ah oui, à 400. Oui, à partir de 460 euros, on gagne un peu. Ouais. 60 euros. Ouais, bon, ouais, on a compris. On partira du principe que mon lion vit dans un environnement très exposé à la radioactivité. J'ai trop hâte de voir ton lion à go. Mais là, il faut plus du coup. Car plus d'un... Ouais, c'est l'idée. Ça. C'est que là, ce serait bien qu'on arrive à monter un peu plus. L'an dernier, on n'imprimait que 2 cahiers et en petit volume, et là, on en a imprimé 3 et en plus gros volume. Donc voilà. Si on peut aller un peu plus, ce serait top. On verra bien. Et puis, ben non, sinon, il faut vraiment que je me prenne pas la tête. L'argent ne fait pas tout. Tac. Les petites... voilà. Alors ensuite, ici, hop, on va refaire une autre mèche aussi, là, qui part dans ce sens-là. Là, on va en faire un peu sur l'eau. On peut monter quelques traits. Alors, dans l'idée, c'est fouillis, quoi. Donc, on fait quelques traits, mais vous voyez, on peut avoir notre... On a déjà vendu beaucoup plus de livres que l'an dernier. Un mot qui demande. J'avais regardé. Merci, Sarah, pour le pack malin. Merci. Mais c'est Yoru. Sarah, Yoru. Oui, c'est possible. Oui. Comment ça se fait que tu nous as tout repris, Yoru? T'es où? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Alors, une frange rideau sur un lion, déjà vu? Hippipip, t'as fait une frange rideau? Yoru, t'es là? Yoru, t'es dans la salle? Une frange rideau, franchement, ça peut... Quand on est mon compte pas, j'aurai tout en double pour le souvenir comme ça. Oh, Yoru, t'es trop chou. Bon, tu pourras tous les colorier en double, comme ça tu peux faire plusieurs déclinaisons. Comment tu vas, Mayoru?
Parce que là, on a vendu 547 cahiers de coloriage volume, volume 3. Alors que l'an dernier, le volume 2, on avait, pour la campagne, on en a vendu 497. Hey, coucou Anthony! C'est Gabriel avec le tel de papa. Coucou Gabriel, comment tu vas? Donc, en termes de cahiers de coloriage, on a vendu 50 de plus que l'an dernier déjà. Juste le volume principal, le principal volume. Mais l'an dernier, en fait, on avait vendu pas mal de tableaux. Ah, je me disais, est-ce qu'on ne devrait pas remettre les deux tableaux que j'ai, le tenter? J'y ai pensé hier à ça. Je me suis dit, bon, c'est pas parti l'année dernière, mais peut-être que cette année. Quelqu'un de riche passerait par hasard par là. Par hasard. Quelqu'un de riche et qui aimerait, mais... Ça fait beaucoup, hein. J'ai l'impression que... Avoir déjà quelqu'un de riche qui passe par là, mais en plus qui aime mes tableaux, ça fait beaucoup de conditions. Enfin, je ne dis pas que personne n'est riche dans la communauté du pinceau, hein. Je ne sais pas en même temps. Je suis pas riche, mais je les veux. Qui approche avec la Toussaint et assez lourd émotionnellement avec bientôt la deuxième année sans ma maman, mais on tient le coup. Je suis pas riche, mais je les veux. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens que l'année dernière, c'est... Mais t'as l'air d'aller mieux que l'année dernière en tout cas. C'est cool, mais après c'est super long un deuil. Ça met beaucoup beaucoup de temps. En tout cas, on pense fort à toi et ça me fait trop plaisir que tu sois là ce soir, Yoru. Ok, c'est déjà encourageant de ce point de vue. Si vous voulez, on met mes dessins en vente pour augmenter la campagne. Chiche! Ça se trouve, on les vendrait d'une fortune. Tu as vendu tous les dessins quotidiens? Non, pas tous, il en reste. Ouais, mais bon, on va essayer de vendre ceux de Patrick à 90 euros. Non, il reste pas mal de dessins. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que les prochaines, il avait été vendu, mais non, il est toujours dispo. Donc voilà notre grosse crinière tout autour de ce lion. Je l'aime bien, j'avoue. Je suis assez contente de mon lion. Hop. Et j'avais déjà une idée pour la mise en couleur. Bon, j'ai pas fait de test, mais j'ai bien envie de le faire. C'est que j'ai envie que la crinière soit multicolore. Et puis vraiment un peu... Pas forcément ultra bien dessiné. Caro Colo qui dit Patrick, je pense que tu as eu plus de succès en étant en photo en étant en bande la photo de ton torse nu. Ah non, Ago il me donne les 90 euros total. Hein. Comment ça la moitié? Mais bon, on va peut-être tenter la photo torse nu du coup. Tu sais, ce serait trop drôle dans les contreparties. Photo de la Gotan se nu 90 euros. Non, mais il y a des concepts. Hein. Tu veux les miens? Ils sont tous au propre en numérique. Je recommence à réavoir envie de colorier. J'avoue que venir avec la frustration de ne pas réussir à colorier, je pense... que tu sais ce que ça peut faire. Mais là, je reprends goût aux couleurs. Ah, c'était pour ça, Uru. Ok. Eh ben, je suis contente si tu arrives à t'y remettre un peu. Oui, effectivement. De toute façon, quand on va pas bien, c'est super compliqué. Effectivement, j'en sais quelque chose. Je n'arrivais plus du tout à dessiner.
Il y a Bibib qui dit, si tu veux, je vends mon dessin à 8 euros pour aider l'or. Si tu veux, Bibib. Attends, j'ai bien entendu. L'or, qui veut faire des couleurs fantasy? Et B, je me souviens d'une période où les couleurs faux-folles, c'était compliqué pour toi. Ouais, mais tu vois, je vais mieux. Le mien ressemble à un être mi-femme, mi-lion. Mais c'est à cause des yeux, ça. C'est vrai que très souvent, quand je fais mes yeux, ils ont un côté un peu humain. À go le Chipotle. Il y a Zazabel qui dit « Ok, ça marche. » Alors, est-ce qu'elle est propre mon eau là? Non. Je vais chercher de l'eau propre pour qu'on puisse pour qu'on puisse tester là quoi. Quoique avant l'aquarelle, je vais quand même faire l'ancrage. Je remonte un petit peu, voilà, pour pouvoir être à l'aise. Alors, du coup, c'est bien d'ancrer les oreilles, le visage, mais pour la crinière, il va falloir en faire juste un tout petit peu. On ne va pas faire tous les traits, on va faire les traits de base, ceux qui partent en gros de la tête du lion. Il n'y a pas de moutage. C'est vrai que là, Ah oui, là, on va pas pouvoir avoir de moutage ce soir. Au pire, faut en cacher un petit dans la crinière. Ça va être chelou. Profite que l'heure soit en train de couvrir sur son ancrage et qu'elle n'a pas plu pour vous rappeler les horaires des prochains jours. Demain soir, on refait un live à 20h30. Dimanche, le live de dessin sera à 15h30 en compagnie de la fée corsetée qui sera avec nous à la maison. Et à 20h30 dimanche, live exceptionnel où on réunit un petit paquet de personnes, de coloristes, pour faire une soirée fun. On va jouer sur un jeu en direct. Ça va être très drôle à regarder. Je vous enverrai tout ça à l'aquarelle, enfin à la crinière, le reste quoi, voilà. Me dit Bipip. Elle a dit quoi, Bipip? Je vais essayer de rattraper tout ça à l'aquarelle. Enfin, rattraper la crinière, enfin le reste quoi. Ah d'accord, ok. Cécile dit, vous verrez, j'ai une surprise sur mon dessin. Oh, trop bien. J'aime bien quand il y a des surprises sur les dessins. T'as mis un moutage dans chaque yeux, dans chaque œil du lion. Un moutage en boucle d'oreille. Le torse nu d'ago. Mon ancrage hier m'a un peu refroidi, je pense pas que je vais rentrer. Bonjour.
aussi une surprise. Oh! Il y a, Karine qui dit, je viens de commander un tissu foulard. Cool, merci. Merci à toi. Les, d'ailleurs, les, toutes les commandes de tissus sont parties ce matin. On a tout découpé, tout préparé, et tout déposé à la poste. C'est en cours de déplacement. Les plus chanceux recevront ça demain. Les autres, lundi. Et non, quand je le mets à l'ancrage, il fait un petit peu plus peur. C'est à cause de là-haut, il faut que je fasse plus comme ça. Voilà. Même si un lion ça peut être menaçant, moi j'aime bien quand même qu'il soit quand même gentil, mon lion. Je veux un gentil lion-lion, moi. Attends, quoi, j'ai ça. Cool, trop hâte de coudre des trousses de crayons avec des tissus. Tu m'enverras des photos pour que je puisse voir ce que t'as fait de beau. Le foulard, ça fait 100% pour soi. Alors le foulard, ouais, en théorie, sur la boutique, on imprime quand on arrive à 100%. Là, je peux te dire déjà que on enverra à l'imprimeur. J'ai dit que j'envoie à l'imprimeur le 8 ou le 9 novembre. Hein. Parce que du coup, en fait, vu que sur Ulule, il y a des packs couturières qui ont plein de tissus. Du coup, j'aurais de la commande de tissu à faire, donc il n'y aura pas de souci. Et puis de toute façon, on fait toujours une commande avant Noël. Oui, en général, ça va se remplir la jauge. Je sais pas combien elle est, mais même sans ça. Mais oui, de toute façon, je vais annoncer à demain. Il faut que demain, je m'occupe de la boutique. J'ai des visuels à rajouter et Ici, il fait un peu le lion, Mathieu Justin Dove. C'est rigolo parce que j'ai trop hâte de voir. Un montage à la place d'oreille. Il est terriblement beau, j'adore. Ah, je suis trop contente, Zazabelle. Merci, merci. Deuxième étape. Je pense que c'est deuxième étape. Continuez à chercher l'aquarelle. Ça y est, on va pouvoir commencer l'aquarelle. Princesse Léa n'a toujours pas utilisé les coupons qu'elle a commandés en février. Et Karine, il n'y avait pas sur Ulule. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur Ulule? Ah non, sur Ulule, c'était par rapport au tissu. Non, on n'a pas eu toute la boutique sur Ulule. On a juste mis quelques coupons exclusifs et moins chers que sur la boutique. Mais... Je vais tout de suite signer. On est le jour. Nous sommes le 27. Jour 20. Dis donc, ça y est, on arrive vraiment à la fin du mois d'octobre là. Je mets animal. Alors pour ceux qui veulent déjà envoyer leur dessin. Et du coup, c'est parti pour une mise en couleur spéciale. Hop. Moi aussi, je vais aller mettre en couleur. Il faut gommer le crayon avant l'aquarelle. Ben moi, je vais garder mes traits de crayon. Alors après, si t'en as qui sont un peu épais ou que tu trouves... Soit tu trouves que ton dessin, il est sympa avec les traits.
Soit tu trouves qu'à des endroits, ils sont un peu trop foncés ou qu'il y en a un qui te plaît pas de trait, tu peux l'enlever. Mais moi, je vais les garder en dessous de l'aquarelle parce que ça donne quand même une petite direction. T'es pas du tout couturière, du coup, c'est quelqu'un qui va te la coudre, l'écharpe? J'ai loupé un truc dimanche soir. Un jeu, mais le dessin, le matin ou l'après-midi? L'après-midi, 15h30. Je l'ai dit, on peut juste. Je répète, le programme de dimanche, 15h30. Live de cours de dessin avec la fée corsetée avec nous. En présence de la fée corsetée. Suivi à 20h30 d'un live spécial jeu autour du dessin, dépaysé. Un jeu de dessin, mais qu'on va faire à plusieurs. Voilà. En gros, on va jouer à un jeu, c'est le téléphone arabe du dessin. C'est-à-dire que c'est un jeu où on va être plusieurs, il va falloir chaque retour dessiné. Vous allez voir, c'est fou rire garanti. C'est vraiment un très bon jeu pour passer une bonne soirée. Que ça soit à regarder, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder les gens jouer à ce jeu. Donc, je pense que ça va être vraiment un bon moment. Ophélie qui dit en novembre dépression santé live. On en fera encore. Déjà, il va y avoir deux Patreons. Ouais, il y aura deux lives sur Patreon, il y aura toujours, et puis on reprendra le rythme d'au moins un live par semaine de dessin et sûrement un live de couleurs aussi. Et puis peut-être que live de dimanche nous aura des idées, des envies aussi de refaire des lives en groupe, on verra. Ah mince, le foie n'est pas non plus cousu, tant pis, je m'en sortirai. Ouais, non, nous sur la boutique, on vend que du tissu tel quel. Genre esquisse, le jeu. Ouais, c'est un peu dans ce style-là. On va utiliser une version numérique qui s'appelle Gartic Phone. Une ville qui dit étape numéro 3, répétez étape numéro 2. Les aquarelles sont trop bien déchets. On attend de colorier avant d'envoyer. Oui, tout à fait. Laure a décidé que pour les derniers cours de dessin, elle voulait mettre en couleur en live. Donc vous avez le temps également. Parce que comme ça lui évite après live de prendre de l'ordre du temps pour coloriser. Ouais, et puis surtout que c'est vrai que là je suis dans le dessin, je viens de faire le dessin, donc j'ai vraiment la motive, enfin, c'est assez agréable de le faire à ce moment-là, je trouve. Oui, donc du coup, pour finir, sur le ouais, on vend vraiment que du tissu qui n'est pas. Voilà, c'est juste du tissu Oui. imprimé. Parce que moi aussi, je suis une bille en couture. Ouais. Après, il y a des trucs qui sont faisables. Les chaussettes de Noël, moi j'en ai cousu moi-même, ça se faisait. C'était cool, c'était Oui, marrant à mais faire. toi, tu sais tout faire. L'écharpe, ça serait plus compliqué quand même. J'en avais trop envie. Ouais, mais après, tu peux. Je pense que tu dois. Enfin, déjà, tel quel, c'est pas la fin du monde. Et en plus, en fait, c'est juste faire une doublure. Je pense que tu vas pouvoir te sortir pour pas tant que ça. Si t'es quelqu'un qui a une machine à coudre, je suis sûr que c'est un truc qui est pas très compliqué. Ouais, du coup, c'était où j'ai eu ça. Vous allez être heureux d'arriver en novembre, vous deux. Mais on va se reposer un peu, ouais. Là, déjà, ce qui est cool, c'est que ça y est, le calcollage est renvoyé à l'imprimeur. Donc, c'est ça qui met le plus de temps. Enfin, c'est ça qui est la plus grosse attente, c'est le confectionnement des quelques voyages envie de les recevoir à la maison. Donc, ça, c'est lancé. Donc, du coup, nous, à partir du 31, on va pouvoir se reposer. Non, c'est pas de Et le premier. l'aquarelle liquide, c'est de l'aquarelle en. C'est de la. Enfin, je sais pas, peut-être que t'appelles ça de l'aquarelle liquide, mais c'est les en petites palettes, quoi. Le feuilleton du pipe. Étape numéro 4, avoir la flemme de tout répéter et faire au feutre à l'alcool. Regarde. Il y a Princesse Leia qui peut te le faire. Et ouais, du coup, c'est sûr que vous ne allez pas nous voir du premier pendant une semaine, hein, au mois de novembre, je pense que ça va être off pour nous, repos.
Vacances. Normalement, on reçoit les cahiers de coloriage fin novembre, début décembre. Ouais, fin novembre. Et en gros, dès qu'on les reçoit, on les prépare pour les envoyer. Donc, mi-décembre, vous devriez les avoir. Mouah. Merci, Anne. Est-ce qu'on va se prendre, 4-5 jours de repos après la campagne, et puis après, il faudra envoyer, imprimer les repros, le tissu. Moi, je vais avoir du mal à me prendre 4-5 jours, je me connais. Je vais avoir quand même encore envie de faire des trucs. Bon, tu seras, je sais pas, on sera en famille. Ah oui, mais oui, j'avais oublié. Non, mais c'est oui. Bien, c'est pour ça. Derrière, on est à 5 jours. Ah oui, c'est que de toute façon, on sera pas à la maison pour. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc avant Noël, car c'est Noël, oui, l'objectif c'est que vous l'ayez bien avant Noël pour vous attendre. Après, comme on disait, nous on fait tout pour faire on a payé avant la fin de la campagne l'avance des gains de coloriage, et on a fait les fichiers qui sont déjà chez l'imprimeur, donc c'est déjà commencé à imprimer de manière à ce que l'imprimeur, parce que c'est ça qui est le plus long, c'est parce que, ouais, imprimer 2000 quelques coloriages, ça prend du temps. Enfin, les imprimer et les confectionner. Donc ça, c'est parti. Pour avoir ça fin novembre. Et puis je sais qu'après, nous, on le fait vraiment vite. Ouais. Ah oui, bah, nous, à chaque fois, dès qu'on l'a reçu, 48 heures plus tard, c'est parti. Ouais, parce que sinon, ça fait qu'on a tous les livres dans notre garage. Oui, c'est ça. Et que bah, mais là, c'est simple, hein. On va recevoir trois palettes, quoi. On va avoir trois palettes dans le garage. On n'a plus de garage, quoi. Donc il va falloir vite les préparer. J'ai surtout besoin d'entendre pour samedi, car j'ai une randonnée de 15 km s'il pleut pas trop, donc je sais que ce sera le soir. Ouais, demain c'est le soir. On a besoin avant le 15. Normalement, oui. Normalement, vous avez. Ouais, normal. Je pense que vous voulez vraiment les recevoir première semaine de décembre dans l'idée, mais voilà. Bon, c'est pas entre nos mains. Nous, dès qu'on aura les quelques âges à la maison, aussitôt, le lendemain, on se. Oui, parce qu'après, c'est ça. Remingo, il nous expliquait sur un des projets, il avait commencé genre 6 mois avant. Et il a eu, mais galère sur galère. Mais voilà, après, c'était pas du tout de sa faute. Il y a eu un truc de transporteur. Enfin bon. Des fois, on sait pas. Mais normalement, dans notre cas, ce serait vraiment si l'imprimeur avait eu un gros souci. Mais je ne vois pas trop. Je pense que ça va le faire. J'y crois. Voilà, j'essaie de mettre un peu de la couleur partout dans ce lion. Je viens juste rajouter un petit peu d'ombre. Voilà. Et je vais faire quelques petits jets de peinture colorée. Rose. Ça vous fait un sacré taf quand même, s'il n'était pas si loin, je serais venu vous aider avec grand plaisir pour la manutention. Oh, c'est trop gentil. Ouais, c'est sûr que... Bon, l'an dernier, on s'en est sorti. L'an dernier, je crois qu'on l'a préparé. On a eu que tes parents, je crois, pour nous aider. Ouais, mes parents sont venus nous donner un coup de main. Mais on a tout préparé en une journée. L'an dernier. On avait tout fait en une journée ? En une journée, c'était complètement... Et là, on va gagner un peu de temps parce qu'on a acheté des petites imprimantes à étiquettes autocollantes. Parce qu'avant, il fallait que chaque étiquette, je la découpe, je la scotche. Pour les colis, ouais. C'était hyper long. Même si... On l'avait déjà, la petite étiquette ? Ouais, on avait déjà, ça nous avait fait gagner un temps de fou. Parce que ça, c'est le problème, hein, quand tu dois... Couper. Ouais, parce que même la première année, il fallait couper toutes les adresses et les scotcher. C'était hyper. Ouais, le premier lieu, bah, c'était,
C'était le premier jour, on était quatre, on avait eu 4 personnes qui étaient dans un abonnement, je crois, 4 ou 5 même. C'est trop drôle, Karine. Malgré qu'elle est complètement à l'ouest, elle a fait le dessin. Et du coup, elle dit le lion en mode pépère qui a fumé la moquette. Cool, Ophélie, mais t'as été super vite à l'écrire ton livre. Merci, Christine. Coucou, Emeraude de Manu. Il faut embaucher Titouan et Ellie avec des cookies. En espérant que cette fois, petit écureuil n'hérite pas de mon second exemplaire. Ah oui, ça se trouve, ça va finir comme ça. Mais là, petite écureuil, elle a commandé le troisième exemplaire. Oh, il est trop trop beau, je suis encore plus deg. Ah, mais c'est ton anniversaire, Emeraude de Manu. C'est toi en chercher en début. C'est ça, c'est bien toi, du coup. Bonsoir. Ah, joyeux anniversaire. Je sais pas si c'est possible. Mais là, on est actuellement à 436 colis à faire. Est-ce qu'on peut proposer pour son anniversaire, je mets celui en couleur. Si tu veux, c'est ton problème. Emeraude de Manu, en fait, j'en avais fait un autre avant pour me préparer à la journée. Et si tu veux, pour ton anniversaire, je peux te mettre en couleur cette version-là. Si ça te tente. Il faut voir un autre sur une, c'est ça ? Si, voilà, tu me dis, et puis si ça te dit, Sam le rajoute sur Ulule pour que tu puisses le prendre. Parce que c'est ton anniversaire. Et Inktober. Morphine et kétamine. Wow. Merci Cécile. Ah oui, je pensais le refaire à peu près. Enfin, ce sera pas pareil parce que c'est impossible de faire deux fois le même. Mais je pensais utiliser la même technique. Merci David pour les deux. Double Kenkorel. Merci à toi, trop cool. Hop. Je veux aussi lui faire son petit nez. Là. Le nez, il faut qu'il soit foncé. On va lui faire des yeux orange vif. On peut faire des ombres en venant remettre du plus foncé juste en haut des yeux comme ça. Et
Les enfants qui font ces cancans, regarde les dessins. Hein. Qui c'est qui dit ça? Nos enfants ou ta mère, je ne sais pas. Bon, on va regarder les dessins. C'est bien parce que vous le demandez. Hein. Il va falloir coordonner Ulule, Sam et Emeraude pour pas qu'il y ait quelqu'un qui les prenne. Alors, vos dessins. Ah! Ma souris. Pourquoi ma souris fait ça? Pourquoi ta souris fait ça? Comment on fait pour coordonner? Merci Ago. C'est pas tout à fait fini parce qu'il va falloir mettre un tout petit peu d'ocre sur le visage. Alors on va regarder rapidement les dessins d'hier pour commencer avant de passer au à vos lions. Oui. Merci Maud de Manu. Merci à toi. Ah, c'est pas fait piquer. Au moins. Je vais envoyer un message privé peut-être. Ah, trop fort la touquette. Je vous remets le lien pour envoyer vos dessins. Mais j'ai pas fini. Bon, le temps qu'on regarde les dessins d'hier, plus... Les dessins... Qui c'est qui a dit qu'elle n'avait pas fini? Roselyne. Ah! Ne vous inquiétez pas. Au pire, Laure, elle finira sa colo et on regardera encore un peu quelques dessins. Ah oui, ça peut être sympa. Et pour que les enfants aillent se coucher, on va faire une première vague de dessins. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos gosses, hein? Et après, on fera une seconde vague, mais il n'y a pas qu'une autre en plus. C'est génial. Oui, enfin là, c'est les nôtres qu'on réclamait. Pour les autres, c'est les vacances. Bon, je suis plutôt contente de cette aquarelle, quand même. Oui. Il y a celui de Betty qui est visible pour J'ai même pas le temps de m'extasier sur mes dessins. C'est la fille qui s'aime. Bon, donc celui de Betty. Oh, génial, Betty. J'aime bien la posture de ton renard. Très classe. Celui de Patricia. Non, il est trop drôle avec sa petite mèche sur la tête. Elle a un regard, mais super joli, ta petite fille. Il est souriant, il est lumineux, c'est hyper chouette. Trop beau ton regard. Celui de Cécile, qui est différent et plus versé pour tout. Vos conseils et ces bons moments de partage, cheveux faits comme j'ai vu. Bah, ils sont super bien, tes cheveux. Il est très chouette. Alors, je pense que ton œil pourrait être un tout petit peu plus haut. Parce que là, il est au niveau de la bouche. Souvent, c'est un tout petit peu au-dessus de la bouche. Ta fée, elle est extra. Bravo à toi, Cécile. Celui de Hélène. Il est 23h15, donc ta couleur attendra. Oh, trop chou. Celui de Nounouchette. Oh, bravo, Nounouchette. Tout en dentelle, comme d'hab. Celui de Céline Mini. Waouh! Oh là là, sympa la maison derrière et tout. Bravo Céline! Celui de Stéphanie. Il y a Isabelle qui dit qu'elle n'a pas le lien. Pourtant, le message juste au-dessus de toi, c'est le lien. Je te remets. Ah, Emeraude de Manu, elle a 4 commandes. Ouais, j'avais même fait. Pas capté. Avec plaisir, et merci toi. Bon, maintenant, je vais arrêter à 4 parce que. Comme ça, elle ne me comprenait pas. Merci à toi encore. Et enfin, pour les seins d'hier, celui de Ophélie. Ah, excellent avec les couleurs. Ah, je crois voir arriver les surprises. Alors. Avant de regarder des lions, enfin, je crois pas que ce soit un lion. Peggy, les licornes pour mettre des couleurs dans nos vies et donner à manger aux lions. Trop drôle. Merci Peggy pour cette petite surprise. Ah oui, ne s'affiche pas sur mon tel. Ah, c'est gênant. Attends. Ah, je fais une bêtise.
Oh là là, bravo Alexis, il est incroyable ton dessin. Chapeau, hein. Je t'ai envoyé un message privé, Isabelle. Les yeux, ils sont top, le nez. Il est bien ton nez d'ailleurs. Il fait plus long parce que tu l'as fait beaucoup plus fin que le mien. Tu vois l'avance. En fait, il faut savoir que sur YouTube, si votre connexion a un petit problème, en fait, ils vont mettre la vidéo en pause puis la mettre en play. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver décalé par rapport au live. Arrête, tu enlèves tout le côté. Regarde, Ago, il a fait oui, j'ai un côté un peu Jedi. Et puis, toi, tu lui casses tout là. Ça, c'est pour les gens, mais après, en plus, Ago, lui, il voit dans le futur aussi. Enfin, bon, en fait. Ça, c'est encore autre chose. Celui de Anne. Oh là là, joli. Bravo, Anne. Celui de José. Karine Ropami de montage, zut alors. Le montage. Ah, le montage. Go qui dit punaise, Sam! Oh, je me suis rattrapé, ça va! Oh, José, il est magnifique! C'est cool parce que je sens que vous avez vraiment tous pris le temps de faire votre regard. Ils sont bien, vous avez bien géré vos regards symétriques. Et puis j'adore sa crinière, elle est trop chou, José. Bravo! Oui, les commandes de toute façon sont automatiquement groupées hein, sur une. Enfin, moi je les groupe automatiquement. Sauf si vous mettez des adresses différentes parce que vous avez. Si vous avez commandé. Enfin, si vous mettez à des adresses différentes. Mais sinon, elles sont groupées. De toute façon, vous allez recevoir un. En novembre, je vous enverrai de quoi choisir le modèle relais si vous êtes en France. Celui de Missilou. Merci, Zazabelle. Oui, souvent, on regroupe les commandes, ouais. Parce qu'en fait, on prépare tout. C'est ce que je viens de dire. Ah, c'est ça que tu étais en train de répondre? Oui. J'avais pas compris. Oh, waouh, Miss Lou, j'adore. C'est beau, ces contrastes que t'as fait, là. Très, très chouette. Celui de... Oh, Carole. Non, c'est trop choupette. Il est, mais trop mignon. Et bravo, Chloé. Hein. Il est incroyable, ce lion. J'aime beaucoup, beaucoup ta crinière. C'est très chouette. Bravo les filles. Celui de Titouan. Oh, mon Titouan, t'as géré. Excellent. Alors, j'adore parce qu'il a la frange bien peignée. Il est trop drôle. Et Titouan a fait le moutage, hein. Oui, il a pris le temps de faire un peu de décor et le corps du lion aussi. Trop drôle, mon petit tour. Franchement, t'as bien géré. Bravo à toi. Ça me fait plaisir de voir ton beau dessin. Mon garçon d'amour qui est trop loin de moi. Celui de Mylène. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il fait gloire. Il fait un gros gentil quand même. Hein. Il est tout doux, ton lion. Il a un tout joli petit regard. Bravo à toi, Maïline, est superbe. Je sais pas si c'est plus le prochain qui me fait peur. Waouh. Il est féroce, celui-là. Ah, mais il est trop beau. Et on dirait un peu qu'il est un petit peu vu de dessus, en plus. Cherchez le moutage, il y en a deux. Un dans la crinière et un en bas à gauche. Je suis peut-être un peu vite, du coup, mais... Ah, je les avais pas vus. Avec un ballon de rugby comme oreille. Clin d'œil à rugby. Merci. Alors, et ça. Il est superbe, Cécile. J'adore. Alors, Isabelle, merci beaucoup pour ce dessin incroyable. Je t'envoie le mien fait récemment en peinture sur soie. Waouh. Ah, tu fais de la peinture sur soie, Isabelle. C'est juste magnifique, quoi. C'est trop, trop beau ce que tu fais. J'aime bien à ce côté. Comment c'est toi qui le crée là, cet effet contour blanc. J'adore. Celui de Caro. Waouh, excellent. Excellent. Ah oui, c'est pour ça que tu disais qu'il faisait magicien d'eau, c'était toi. Ah, il y a Karine qui dit mon tissu avant le 13 novembre, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et bah, trop sympa ce magicien d'Oz, il est trop drôle.
Celui de Ago. Ah, génial, Ago! C'est quoi que t'avais dit plus haut? Il avait dit quoi par rapport à son lion? Il est très bien, ce lion. Merci, Ago. J'adore ta crinière. Mon lion. Oh, j'aime trop aussi sa crinière. Trop chouette. Ta pupille de l'œil de gauche, tu pourras l'agrandir pour qu'elle aille un tout petit peu plus sur la droite. Il regardera. Quoique, non, en vrai, je dis ça, mais là, ça marche. Ça fait comme s'il regardait un peu sur la gauche. Moi, j'aime bien. C'était très mal barré. Bah écoute, tu t'en es bien sorti, hein. Ellie. Un sort de... Si j'étais comme ma famille, je pourrais avoir des pouvoirs magiques. Ellie, c'est un lion fleur. Trop chouette, mon Lily. Bravo. J'aime bien comment il aime bien avoir son univers. Ouais. C'est dur pour lui un cours de dessin ou de respecter les mains. Non, c'est un artiste. Il ouais. Copie pas, il invente. Celui de Catherine et Miguel. Waouh. Super. Mais dis donc, on a des lions magnifiques. Hein. Trop chouette. On dirait un bonnet de reggae, Sam, sa crinière. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Telle mère, tel fils. Ah oui. Oh, moi, je copiais quand même quand j'étais plus jeune. J'avais toujours besoin de modèles. Christine qui dit, je n'ai pas osé le mettre en couleur. Il est très, très beau. Ce que tu peux faire, c'est le décalquer et puis tenter sur une autre feuille. En tout cas, il est déjà magnifique. Celui de Clarisse. Ah, trop bien! Bravo, Clarisse, dis donc! Très, très chouette. Hein. Ah ouais? C'est super ce que t'as fait. Excellent. Et puis, je vois que t'as pas fini de colorier les feuilles. Tu devais être en train de faire. En tout cas, trop chouette. Toi aussi, t'as mis de la nature autour. Bravo, Clarisse! Allez, Oli, maintenant. Ago qui met, vous avez mangé du lion ce soir? Ok, je sors. Amy, je t'ai mis le lien. Celui de Coralie. Pour une fois, j'aime encore bien les yeux, mais la crinière, elle est smiley qui rigole, c'est vrai que les yeux, ils sont extra. Moi, je trouve pas forcément que ce soit gênant, tu sais, que ce soit en pointe. Ce côté électroquité, c'est surtout parce que je pense que t'as pas mis assez de crinière sur le dessus de la tête. Bonne nuit, Titon et Nicarice, fête de beau rêve. Bonne nuit, je vous aime. Ouais, non, il est vraiment très beau, Coralie. Patricia. Entre parenthèses, pas terrible. Sérieux ? Je sais pas si c'est son lion ou si c'est elle, du coup, vu qu'elle l'a pas mis dans les messages. Bon. T'es bête. Bon, moi, je le trouve chouette, son lion. Au niveau du visage, je trouve qu'il est nickel. Juste, je pense, n'hésite pas à y aller plus au niveau de la crinière. Je pense que si tu mets beaucoup plus de volume au niveau de ta crinière, tu le trouveras super bien. Après, vu par rapport à ce que tu as expliqué tout le temps en cours, elle est pas son les babines là du lion, vraiment le visage partait de là. C'est ce que je veux dire. Si elle partait ses poils, pour j'arrive pas à expliquer. C'est ce que je veux dire. Ça va pas que ça corrigera pas l'effet un peu. Si elle fait les poils qui passent par-dessus la tête. Qui partent en fait des babines du lion. Comme toi, enfin, comme tout à fait. Ah oui, effectivement. Oui, oui.
En fait, il faut que les poils soient directement sous le menton. Ah, là, ça doit être ça. Il y a un espace qui t'as raison. Il y a un espace et autour. Ah oui, c'est peut-être ça, en fait, Patricia, juste le truc. Je sais pas si à l'oral, c'est dur à expliquer. Non, mais effectivement, on voit un blanc en dessous de son menton. Mmh. Et en fait, il faut que tes poils, tu les fasses partir vraiment d'ici. Celui de Mélanie. Oh, il est chou. Moi, j'adore ton style. Là, j'aime beaucoup le côté, tu sais, c'est très fin et ça, moi je l'ai fait assez large et là il est assez fin. Et tes couleurs sont trop belles aussi. Celui de Nat. Waouh! Génial! Oh, il est canon, hein? Il est super classe ton lion. Il a beaucoup de prestige, je trouve. Je sais pas si c'est le bon mot que je voulais, mais. C'est ce que je veux dire? Ouais. Ouais, très très chouette. Celui de Céline. Il est génial. Oh, et puis les petites fleurs dans la crinière, c'est excellent. Bravo Céline. Il est ouf ton dessin. C'est rigolo parce que je sais pas si je me trompe, mais j'ai la sensation que tu as commencé cette année les dessins avec nous. Et prestance, c'est ça le mot, Ago. Je trouve que tu évolues super vite, en tout cas. Chaque dessin, il est plus affirmé. Et alors celui-là, c'est... Mais combien de cils de lion? Il y en a encore beaucoup, hein. Bravo. T'as dit quoi? Parce qu'il y a Stéphanie qui met... Il y a encore combien de lions? Le mien m'a passé. Je confirme que je vois beaucoup de lions. Alors, je vois des gens qui se sont trompés et qui l'ont envoyé en double, mais il reste quand même beaucoup encore. Oh, il est doux, Karine. J'ai fumé. Bah franchement, non, ça, moi je trouve que c'est plutôt une petite lionne séductrice. Elle fait très douce et très sensuelle. Ouais. La voix, toi, Karine. Très douce, très sensuelle, quand tu compares au suivant... Ah oui. Celui-là, il est plus bon, hein, celui-là. Poupou. J'adore. Mais en fait, il n'est pas si bourrin que ça. Regarde, il a ébouillé un peu. Ouais. Tu vois, il est un peu en réflexion. Oui. Ah non, je trouve cool. Ah, mais j'ai pas dit qu'il était pas cool. Non, bah j'ai si, t'as dit qu'il était pas cool. Mais pas t'as dit dessin, qu'il hein. était bourrin. C'est les yeux qui m'a fait peur, c'est tout. C'est parce que les yeux sont rouges, s'ils étaient plus oranges. Et ça se trouve, en plus, c'est la photo qui fait ça. J'adore, moi, l'expression. Celui d'Electra. Waouh, excellent Electra. Trop chouette. C'est cool ces reflets jaunes là dans les yeux, ça marche très très bien. Oh Karine, elle a un air coquine. Une meute, c'est ça Patrick. Oh bravo Gabriel. Oh je suis ultra fan. Regarde, on voit bien le visage en forme de cœur et tout. Ouais. Ah, il est génial, Gabriel, ton dessin. Il est vraiment trop chou. Waouh. Celui de Stéphanie. Ah, oh, il est beau, Stéphanie. Bravo à toi. En plus, t'as mis les pattes, là, et tout. Waouh, hyper doux. Bravo, Stéphanie, un canon. Celui d'Isabelle. Oh, qu'il est beau, Isabelle, avec le petit chat au milieu. Oh, c'est trop chou. Oh, il y a un truc que j'adore dans ce que tu as fait, Isabelle, c'est le fait que tu vois, au niveau de là, elle, ça fait des petits points. C'est comme un... Oh, c'est trop, trop chouette. Attends, je note l'idée. Je trouve ça vachement sympa. Je te pique un peu ton idée, Isabelle. Je vais juste un peu continuer, je trouve que c'est trop joli. Super idée. C'est Isabelle. Celui de Léane. Oh, chouette. Ah, j'aime beaucoup la texture de ta crinière. C'est très très chouette. Ophélie.
Excellent, Félix, bravo. C'est facile en numérique asymétrie. Ah ouais, d'accord. Je comprends. Ah oui, du coup, t'as pas mis longtemps, quoi, à faire l'œil symétrique. En tout cas, bravo, ils sont très beaux, tes yeux. Celui de Delphine. C'est un lionceau, là. Il n'a pas un gros museau. Ah oui, il a un petit côté lionceau. C'est un lionceau avec une belle crinière, déjà. Il est très doux. Il a vraiment une tête très, très douce. Il y a Zazabelle qui a mis des cœurs, un lion qui... La peinture se... Attends, tu peux réduire un peu la fenêtre parce que je vois pas les messages. La peinture a un peu coulé dans les yeux. Quand ça sera sec, je mettrai du Posca. Ouais, c'est l'avantage. Le Posca, ça permet de bien rattraper les trucs. Celui de Fossor. Yeah, génial, Fossor. T'as un bon style graphique bien à toi. C'est son deuxième dessin. Eh ben dis donc, bravo, hein, parce qu'il est super réussi. Hein. Ago, t'as envie de discuter avec un lion? Peut-être t'as besoin de parler, Ago, non? Gabriel qui nous envoie un second dessin. Bravo, Gabriel, il est mignon ton nain. Le lion de Roselyne. Po. Trop beau, Rosine. Oh, tes yeux, ils sont superbes. J'aime beaucoup les taches de blanc que tu as ramenées par-dessus. Ça marche vraiment bien. Trop, trop chouette. Delphine. On l'a déjà vu. Ouais, hein, ça me dit quelque chose. Oui. On l'a vu, ce joli dessin. Celui de Betty. Oh, ben c'est le royaume, oui. C'est ouf comment il ressemble au royaume. Enfin, il ressemble vachement au Disney. Alors je me dis, est-ce que c'est que moi, de manière inconsciente, j'ai fait du Disney et du coup je le vois plus ou est-ce que tu as... Ou alors c'est toi qui es imprégné du Disney. Il est très très chouette. Hein. Bravo à toi, Betty. Super réussi. Celui de Émilie. Waouh, bravo Émilie. Super. C'est vrai que les couleurs, tout de suite, ça donne du peps. Hein. Trop chouette. Bravo à toi, Émilie. Et celui de Hélène. Wow, excellent. Bravo, Hélène. Très graphique, ce lion. On a eu plein de dessins ce soir. On a eu plein de beaux lions. Ouais. Franchement, bravo à vous. Parce qu'alors, tous ces beaux lions, super. Ophélie, si tu veux parler, on se fait un live jusqu'à 4h du mat. Eh, faut dormir les gens un moment. Hein. Vous avez toute la journée pour parler. Sam, tu me grondes pas ce soir, les personnes qui se trompent. Moi, tu m'avais disputé. Ouais, je crois que t'as laissé un traumatisme là. Hein. Alors, c'est que vu que j'ai généré un bug sur mon logiciel. Le temps que je corrige ce bug, je mets un peu d'eau dans mon vin. Mais il est vrai que ce soir, je ne l'ai pas dit, mais j'en ai eu beaucoup. Ouais, en fait, il n'ose pas trop parce qu'effectivement, il s'est quand même rendu compte que c'était un petit peu de sa faute. Oui, bon. C'est pour ça qu'il ne se la ramène pas trop. Mais effectivement, je comprends. Je vous remets le bureau. Attends, je comprends que tu l'es mauvaise. Je te remets. Mais oui, j'ai beaucoup de dessins à supprimer. Beaucoup, beaucoup. Hein, Electra, Lohan. Ta mère est plus là, mais. Maman l'avait envoyé plusieurs fois. Suite de Larisse 3 fois, suite de Titan 2 fois. Oui, bah, il faut comprendre hein, les mamies qui font ce qu'elles peuvent. Donc oui, bon. Mais voilà, je crois qu'il faut que tu lui demandes pardon parce que tu lui as laissé un traumatisme quand même. Oh, désolé, c'était pas le but. Après, c'est bon, il faut aussi être ferme pour montrer aux gens qu'il faut faire attention. Est-ce que j'ai supprimé tous les doubles? Je crois que j'ai supprimé tout.
tous les doubles. C'est bon. Ago qui dit moyenne de dos de la semaine 3h30 par nuit, mais tout va bien. Sérieux, tu dors aussi peu, Ago? C'est chaud. Moi, si je dors comme toi, je suis un... Bah, en fait, je peux pas vivre. Pourquoi il apparaît en noir et blanc quand on sélectionne couleur? Ah non, c'est que t'as dû te tromper, mais de toute façon, c'est pas grave. Au pire, si toi, il apparaît en noir et blanc, moi, je peux remettre la couleur. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est quand vous envoyez vos dessins, vous envoyez votre dessin, et après, il y a une seconde phase où il modifie. Mais moi, je garde... Mais moi, je garde les deux dessins. Je garde celui que vous envoyez et... et la retouche. Donc, si la retouche en noir et blanc, c'est pas grave, j'ai la version couleur, je peux rattraper. Normalement, il n'y a pas de bug. Après, ce que tu as pu avoir, c'est un écran, c'est le bug. Il y a un problème avec la mise en cache, si tu envoies deux images de suite, la seconde fois, il vous remonte la première. Donc là, qu'il faut que je résous, donc demain. Ah, il voulait le faire là, juste avant là, il fait « Oh non, j'ai pas réparé le bug !» Il s'en voulait. Entre la boutique et... Et nos siestes, et parce qu'on a fait plusieurs siestes. Moi, ce matin, à 11h, j'ai fait « Sam, faut que j'aille me recoucher. » Donc voilà. Bon, sur ce, pour le demain, 20h30 pour le prochain cours de dessin. Encore un immense merci pour vos contributions, pour votre soutien. Merci Yoru, parce que je sais que financièrement, c'est pas forcément. Donc je suis très 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 touchée. Même un peu gênée, parce que quand même. Mais voilà, merci à tout le monde. Pour tous ces Inktobers que vous m'avez pris, merci pour les dessins personnalisés, merci pour les packs malins, merci. Je suis en train de regarder chez qui on envoie les gens. Et donc je me balade dans le truc art français et, pour trouver quelqu'un chez qui on envoie. Et là, d'un coup, je vois il y a des gens qui sont en train de dessiner un lion. C'est notre live à nous. T'es bête. Et si on s'envoyait tout Si on se faisait un raid vers chez nous. Du calme sur les mamies, Laure. Céline, tu dors encore moins que ça. Mais comment vous faites? Tu me connais, The Walking Dead, le matin, je pense que je peux postuler en figurant. Mais c'est quoi? C'est que t'arrives pas à dormir ou c'est que t'as peu besoin de sommeil? Parce que... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, mais... Quelqu'un doit faire une blague dans l'immeuble tous les jours à 5h. Bonne fin de soirée, Maud. Bon, allez, je vous envoie sur une chaîne sur Twitch. On vous dit à demain 20h30. Samedi 15h30, plus un live spécial dimanche soir à 20h30. Bisous les loulous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à demain. Demain. Salut.